Depuis plusieurs années, TPMP s'engage à tendre le micro à toutes les sensibilités. Gilets jaunes, dirigeants politiques ou responsables syndicaux, Cyril Hanouna met un point d'honneur à n'oublier personne. Depuis plusieurs mois, l'animateur propulse de plus en plus de sujets de société au cœur des débats de son talk show, qui revêt un autre apparat par la même occasion. Une stratégie éditoriale qui lui vaut d'ailleurs d'être parfois lui-même au cœur de certaines polémiques. Il y a quelques semaines, Marlène Schiappa suggérait que celui que l'on surnomme Baba puisse jouer un rôle dans le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Un buzz qui a fait couler pas mal d'encre et qui a encore mis TPMP en orbite sur la toile. Paris réussit donc pour l'animateur qui comprend parfaitement le poids de l'image et des réseaux sociaux. Dans un entretien accordé aux Parisiens, le papa de Lino est revenu sur toutes les personnalités politiques qui ont fait le déplacement jusqu'à son plateau de C8. Cyril Hanouna se dit prêt à recevoir Marine Le Pen dans TPM Plore de l'heure des pros sur CNU. Pascal Pro a dévoilé une infographie qui montre que 20% des téléspectateurs de l'émission ont voté pour Marine Le Pen au premier tour en 2017. Ce sont donc les électeurs de la fille de Jean-Marie Le Pen qui regardent en majorité TPMP. Alors pourquoi pas inviter la candidate à la présidentielle 2022 sur le plateau de TPMP ? Oui, pourquoi pas, a-t-il affirmé, avant de rajouter, avec nos éditorialistes, on sera davantage armés pour. À la rentrée, on pourra la recevoir avec une vraie contradiction, un vrai débat. On ne lui ferme pas la porte. Quelques jours plus tôt, c'est d'ailleurs au micro de Pascal Pro que Cyril Hanouna avait confié qu'il espérait pouvoir débattre avec la présidente du Rassemblement National. Marine Le Pen, j'avais dit non il y a quelques années, on n'avait pas les armes et les personnes autour de la table pour la recevoir. Aujourd'hui, vu le virage de l'émission, on est mieux armé et je pense qu'on pourrait la recevoir, avait-il expliqué. Point à voir aussi, l'acteur Alain Delon présente sa nouvelle compagne Romy T. Calir aussi à Blog Test. Why?